Donc à ce moment-là, à Moissac, se sont retrouvés un certain nombre de chefs et chefs Tanei, et Henri Val, Ninon Haït et Denise Lévy, plus connus sous le nom de Belette, ont été les responsables de la sixième. Et cette sixième, pour la zone sud, s'est divisée en six régions. Ça consistait à transporter des enfants, aller les chercher ou dans leur famille, hélas, pas beaucoup, parce que la plupart des parents étrangers étaient déjà internés ou même déjà déportés. Et surtout, d'assurer le lien avec ces jeunes qui étaient cachés pour d'abord veiller à ce qu'ils ne manquent de rien matériellement et également affectivement, parce qu'ils étaient coupés de leur famille. Il fallait qu'ils aient des points d'ancrage quand même, qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas simplement placés là et coupés d'un milieu d'origine. Et nous nous efforcions également de sauvegarder leur identité juive, bien entendu. Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de placer beaucoup de jeunes filles, notamment, à Grenoble, grâce à Notre-Dame de Sion, qui m'a trouvé beaucoup de place pour des jeunes filles comme aide familiale dans des familles chrétiennes, qui étaient au courant de la situation de ces jeunes filles, donc qui prenaient des risques, elles aussi. Et j'essayais de les réunir le dimanche pour une petite réunion, et avec des camarades, on leur donnait un petit cours d'histoire juive, comme ça, une petite imprégnation juive, bien sûr, il fallait la maintenir. Donc pour les faux papiers, on allait avec nos camarades les chercher dans les mairies, on essayait d'acquérir la complicité des secrétaires de mairie qui nous fournissaient des papiers, des tampons, où on les volait occasionnellement, j'ai des camarades qui les volaient, qui étaient très spécialistes. C'était des moments très forts. Et nous avions, beaucoup de mes camarades et moi, l'inconscience et la foi de la jeunesse. Et on n'avait pas la conscience du danger réel. Sauf quand il était vraiment à notre porte.